4-8-15-16, 23-42 est à Lost, ce que Winter is Coming est à Game of Thrones. Plus qu'un ensemble de numéros iconiques parsemant l'aventure de son aura mystérieuse, cette série de chiffres est connue par tous Losties et représente à elle seule la complexité ainsi que l'étrangeté de la série. Mais que veulent-ils dire? Pourquoi les retrouve-t-on partout? Ont-ils un pouvoir? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Station 7. Bienvenue à tous dans The Tube. Previously on Lost. Dans l'ordre chronologique de la série, pour le spectateur, c'est Saïd qui tombe en premier sur ces fameux numéros. Il les trouve dans des papiers qu'il vole à Rousseau. Plus tard dans la première saison, nous comprenons que l'équipe de Rousseau avait intercepté un message radio 16 ans plus tôt. Un message qui répétait ses nombres en boucle, ce qui les amena à échouer sur l'île. Île sur laquelle se trouvait la tour radio diffusant ce message. C'est dans ce même épisode, Numbers, que nous apprenons qu'Hurley a gagné au loto avec ces mêmes nombres. Nombres que répétait en boucle son camarade, Léonard, à l'asile psychiatrique. What did the numbers mean? 4, 8, 2, 3, 42. On apprend que Léonard travaillait dans la marine avec son ami Sam, et qu'ils ont capté le même signal que Rousseau. Ils finirent par croire que ces numéros étaient maudits, ce qui entraînera progressivement Sam au suicide et Léonard à la folie. Les survivants du vol océanique 815 seront liés à cette série de numéros, jusque dans leur place dans l'avion pour certains. 23B. 42F. Et il ne se passera pas un épisode sans qu'on les voie ou qu'on les évoque. 4-8-15-16-23-42 sera gravé sur la trappe du Sing et sera même le code à rentrer dans l'ordinateur toutes les 108 minutes. D'ailleurs, au passage, 4 plus 8 plus 15 plus 16 plus 23 plus 42 est égal à 108. Le secret de cette série de nombres s'éclaircit finalement avant la sortie de la saison 3, avec le jeu en réalité alternée, The Lost Experience. Et si vous ne connaissez pas l'univers étendu de Lost, eh bien je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet. Avec The Lost Experience, et notamment avec la vidéo du Sri Lanka, nous en savons plus. Alvar Anso, qui a financé le projet Dharma, nous indique que ces nombres ne sont pas juste un travail parmi tant d'autres de la Dharma Initiative, mais qu'ils sont à l'origine même de la Dharma Initiative. Your research is intended to do nothing less than save the world as we know it. In 1962, only 2 years ago, the world came to the brink of nuclear war. The United States and the Soviet Union almost fulfilled the promise of mutual assured destruction, a promise they continue to foster through a destructive Cold War. After the Cuban Missile Crisis, both nations decided to find a solution. The result was the Valenzetti equation. Commissioned under the highest secrecy through the UN Security Council. The equation is the brainchild of the Italian mathematician Enzo Valenzetti. It predicts the exact number of years and months before humanity extinguishes itself, whether through nuclear fire, chemical and biological warfare, conventional warfare, pandemic, overpopulation. His results are chilling, and attention must be paid. Valenzetti gave numerical values to the core environmental and human factors in his equation. 4, 8, 15, 16, 23, and 42. Only by manipulating the environment, by finding scientific solutions to all of our problems, will we be able to change those core factors and give humanity a chance to survive. L'initiative Dharma a donc été créée pour changer l'un des facteurs fondamentaux de l'équation de Valenzetti, pour changer le cours du destin. Le destin de l'humanité. Pour Alvar Anso, la fin du monde était proche et il a donc financé des recherches secrètes pour sauver le monde d'une apocalypse certaine selon Valenzetti. Dans la vidéo du Sri Lanka, on apprend aussi que la tour radio y diffusera les facteurs fondamentaux, à savoir 4-8-15-16-43-42 en boucle jusqu'à ce que quelqu'un
Au cours de ses travaux dans une des stations, arrive à changer l'un de ses numéros. We have constructed several stations on the island. Underground laboratories with the facilities you'll need to do your research with the optimal expediency. All of the support you'll need, including regular medicine and food drops, will be made in perpetuity. A radio transmitter has also been erected on the island, broadcasting in a frequency and encryption known only to us. The transmitter will only broadcast the core numerical values of the Valenzetti equation. When, through your research, you manage to change the numerical value of any one of these factors, when you have created through science that we will know that the one true way has been found. That is the work to which you have committed yourself. Change the core value of the Valenzetti equation, and you will change the course of destiny. The fate of the human race is in your hands. Thank you. And namaste. Ces numéros se retrouveront donc sur la trappe de la station du Cygne, construite originellement pour étudier les fluctuations électromagnétiques uniques émanant de ce secteur de l'île. Mais depuis l'incident, en 1977, il faut taper les mêmes numéros dans un ordinateur toutes les 108 minutes pour relâcher cette énergie électromagnétique. Et donc, voilà! Cette vidéo pourrait très bien s'arrêter là. Cette explication nous permet de comprendre d'où viennent les numéros et pourquoi ils apparaissent de temps en temps sur l'île. On pourrait aussi se dire que les autres apparitions random des nombres ne sont que des coïncidences dans l'histoire, des easter eggs pour le spectateur. Mais comme Hurley, on se met à les voir partout et à se demander s'ils sont maudits alors qu'il n'en est rien. Ce sont juste des nombres. Est-ce vraiment le cas ? Pourquoi Sam et Hurley y voient une malédiction? Pourquoi Léonard est-il devenu fou? Pourquoi faut-il les taper sur l'ordinateur, eux et pas d'autres numéros? Pourquoi ne pas tout simplement appuyer sur Execute d'ailleurs? Peut-être que Hurley dit en fait la vérité quand il dit que les nombres possèdent un pouvoir. Rappelez-vous, Jacob avait assigné à chaque candidat un nombre. 4 pour Locke, 8 pour Hurley, 15 pour Sawyer, 16 pour Saïd, 23 pour Jack et enfin 42 pour Jean ou Sun. On sait que Jacob, depuis des siècles, peut forcer le destin et amener qui il veut sur l'île. Et s'il le faisait, justement, grâce au nombre. Et s'il renfermait bien un pouvoir. Ce qui me fait dire ça, c'est que dans Le Cygne, il faut taper les nombres pour sauver le monde. C'est ce que dit Kelvin à Desmond, puis Desmond à Locke. Il ne faut pas juste appuyer sur Execute pour lâcher l'électromagnétisme, il faut envoyer les nombres pour sauver le monde. Or, les candidats de Jacob sont de potentiels gardiens de l'île, et Jacob nous dit que le gardien doit sauver le monde. Sauver le monde, là encore. Le gardien doit empêcher le monstre de sortir de l'île. Et si Jacob a autorisé tous ces scientifiques à s'installer sur l'île, on peut penser que c'est lui qui a fait en sorte que le projet Dharma trouve l'île et étudie cette série de numéros. Jacob aurait voulu comprendre le pouvoir derrière ces nombres, d'où ils tirent leur puissance. Ou bien peut-être Jacob est-il à l'origine de l'équation de Valenzetti et qu'il voulait lui aussi comprendre comment il pouvait sauver le monde, c'est-à-dire détruire le monstre. Les nombres pourraient avoir des propriétés métaphysiques uniques qui les relient à l'île et qui y amèneraient forcément des personnes. The numbers that would brought me here, as it appears, they brought you. Valenzetti était peut-être persuadé que la fin du monde était proche à cause de Jacob, qui n'avait toujours pas trouvé de candidat pour sauver le monde. Rappelons que Jacob ne peut pas tuer le monstre. Il aurait alors donné les chiffres à Valenzetti en sachant que l'équation irait jusqu'à l'ONU, et espérait que ces nombres amènent enfin le prochain gardien sur l'île pour le remplacer. Nous ne le saurons pas. Lost a voulu expliquer le mystère entourant 4-8-15-16-43-42 de manière réaliste, nous laissant nous demander si, tout de même, il n'y aurait pas un aspect surnaturel en eux lié à l'île, et ce, bien avant l'arrivée de l'initiative Dharma. À vous de choisir. Êtes-vous plutôt de science ou plutôt de foi ? Tapez 4-8-15-16-23-42 sur Google Earth, ces coordonnées vous amèneront au beau milieu du Pacifique.
Peut-être nous amène-t-il réellement à l'île. Ceci est la complexité du puzzle Lost. À chaque explication, d'autres questions se soulèvent et à chaque réponse donnée, on en vient à douter de sa véracité. Mais n'oubliez pas que même si vous pensez avoir tout compris, on se retrouve très bientôt car l'île n'en a pas fini avec vous.